tu as des amis, alors? Oui, des amis de très longue date et... Je n'ai jamais eu d'amis de ma vie. Parce que j'habite dans les poubelles. On est en vie, nous. On peut être vos amis, du coup. Peut-être que je vais faire maintenant. Alors si vous me demandez... Mange-les. Non, ça ne voudra être ton ami à long. Ça va. Alors essaye de tenir. Et salut, les gens. Écoutez, je suis vraiment navrée de ce qui vient. Et moi, c'est Zip. Et voilà Evo et Alice. Je peux vous aider, je peux vous protéger contre les prédateurs. Mais vous êtes... Vous avez ma parole, je peux venir avec vous, s'il vous plaît. C'est-à-dire... Pitié. Père, tu me laisses dire un petit mot à mon collègue en privé? Est-ce que tu as la moindre idée du nombre d'amis qu'elle a sûrement dévoré? T'as juré à 100%. On peut pas plus que 100%. Je dis qu'elle peut venir. D'accord, l'équipe? Alors en route. Les amis, ça ne se mange pas, les amis, ça ne se mange pas, les amis, ça ne se mange pas. Essayez de maintenir le calme et... Important pour que tu oses m'interrompre. Je m'en voudrais de m'imposer. Approche-toi et viens à côté de moi sous le champ et dis... Une autre brèche vient de s'ouvrir et déverse un torrent de lave. Aucun moyen de le stopper. Imprime. Et si je m'étais trompé et... Ça fait des heures qu'on nage. Que ce n'est pas la peur de finir dans ton estomac. Détends-toi, le poisson lanterne. Mais pourquoi grand-père ne voulait pas que je voie tout ça? S'arrêter et profiter de la vue? Non, il faut qu'on continue. Peut-être il est assez doué. Ah, tu trouves aussi? Waouh! Et on a soif aussi, de l'eau, de l'eau. Qu'est-ce que tu racontes? Un dîner. Celle-là, elle est drôle. Je suis épuisée. Eh bien, c'est pas trop tôt. On n'arrête pas de te dire qu'on n'en peut plus. Tandis qu'Evo et moi, on dormira là-haut. Ça me va très bien. Tu crois? Très bien. C'était pas un poisson lanterne par hasard? Terne, qui s'appelait Revo, était tellement courageux qu'on n'était absolument pas la peur. Et ne reculait. Loué soit Neptune, il a failli venir à bout de mon dernier nerf. C'est sûr. Maintenant, on va dormir un peu. Les amis. Mora! C'est l'heure de se lever? Oh non! Oh non, non! 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 Attends, on peut lui accorder le bénéfice du doute! J'ai envie de favoriser ta digestion, désolé! Evo, tais-toi! Mora, qu'est-ce qu'on doit faire? Encore! Désolé. Faudrait chanter. Qui refuse d'entendre tous ceux qui le mettent en garde et a fini dans... Je sens beaucoup mieux. Pas moi. Je vais t'aider. Allez, pousse. Et c'est comme ça qu'on réconforte la victime, sauvage. On dirait qu'il y a plus de peur que de mal, hein. Hé, hey, pourquoi vous me regardez tous? Ouch. J'ai le sentiment qu'on... Waouh, ils ont vraiment tout cassé ici. Il faut! Tu peux arrêter de nager devant, s'il te plaît. Laisse-moi me mettre à l'arrière. Là, tu rêves, cousin. Manger tes amis te pose des problèmes de digestion. Wow! Regardez ça! Le pont... Je peux dire que j'aurais tout vu dans ma vie. C'est tellement dingue, je sais plus quoi dire. Et lâche prise. Tu n'aurais pas osé! Non! C'est inouï. On avale des gens un jour par hasard et on vous le reproche tout le temps. Je connais les fonds marins de ce genre. Restons en alerte, un œil sur la route et l'autre sur nos caudales. Tchic-tchic ! Tchic-tchic ! Ça fait tchic-tchic de partout ! C'est le pont et on sera dans la cité des hommes, alors on traîne pas ! C'est comme ça, les jeunes. On vient pas vous faire d'ennui, monsieur le... Oh. On voulait dire de l'autre, autre côté du pont, monsieur. Rico va vous tuer maintenant. Tout de suite, Extraordinaire. Ben ouais, et Alice la raconte très bien. Oui, enfin, ça parle ça. Par Mora... Ça suffit. Une histoire, vite, ou vous allez tous finir en ceviche. Est-ce que c'est clair? Rico dit qu'il attend. Ok, alors c'est une éponge, une... Les histoires drôles n'ont pas besoin d'être possibles. Et comment fait une crevette pour avaler un lapin? Deux poissons lune qui vont... Ça marcher. Suffit les blagues! Rico dit danser. Rico répète danser. Qu'on danse? Danser! Oh mince! Est-ce que tout le monde est prêt? J'ai dit à maman, je veux chanter. Elle répète. Oh.
Scooter à Broadway, tu oublies. Tu causes comme un vieux papy. Scooter carapace. Secoue-toi, mon gros. T'es trop cruche assez. Courte comme tes arguments. Vieux crabe crisp en croustillant. Mais ton cerveau va partir en vrille. Clé du Scooter carapace. J'en pince pour toi, tu sais. Bon appétit, mais cette recette va te mettre au tapis. Oh, c'est mignon. Reste près moi, petite crevette, dansant toute la misère. Tu secoues ma carapace. Je suis dans tes filets, mais pas de regret. Pour ce secoue la carcasse. J'en pense pour vous tous. Merci à tous. Mais c'est ça, vous m'aimez, chérie, il faut que je... Il faut que tu restes. Rico veut te prendre pour femme. Je donnerai ma coquille. Rico va te donner beaucoup, beaucoup d'enfants. Des beaux bébés, moitié crevettes, moitié crabes. Rico... Alice, s'il te plaît, ne m'abandonne pas, tu me l'as promis. Rico est triste que tu quittes Rico. C'était indispensable de faire ça. Oh, ah! Une dernière chose, ma dulcinée. Méfie-toi. Un coup de génie. Deep, oh, tu penses vraiment ce que tu dis? Oh ouais, tu avais besoin d'être motivé par un visionnaire, comme moi. Yeah. Oh, c'est incroyable. Oui, c'est incroyablement vide. Exact, je croyais qu'ils étaient intelligents, les hommes. C'est parti. Oui, mais pas si vite. Oh. Du délire. Regardez, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il vaut mieux qu'on cherche Nathan. Oh, ben moi, ce que je pense, c'est vos... Hein? Qu'est-ce que c'est? Je peux? Il fait de plus en plus noir ici. Evo, tu nous éclaires? Avec plaisir. C'est ta faute, serpent! Ils vont nous croquer sans même nous faire griller! Silence, crustacé! Qui dit que c'est ça? Quoi? Quoi? Nous là! Rassure-toi, grand-père. On va trouver Nathan. Prépare-toi, Nathan! On vient te voir! Ça va! Laissez-moi réfléchir une seconde! Nathan! Hurlez! Nathan! Ah, tu voudrais que je crie Micheline? J'aurais... Nathan! Nathan! Il a répondu, là? Tu es lourd. Allons, voyons, on se détend. Nathan! Nathan! Venez! Qu'est-ce qui te fait croire que je vais me contenter de... En voiture, Simone! C'est peut-être le moment de crier Micheline. Attendez une seconde. Pas encore, mais c'est pour bientôt. Eh ben, terminé, j'ai envie de vous dire. On bien dit de nous méfier de la grosse tête qui sourit. Oh non, ça y est, ça m'angoisse. C'est bon, on va mourir, on va mourir, on va mourir. Là, on a eu chaud, mais les gars. Mais tu étais où? On était dans... Dites pas que c'est vrai. Oh non, on est coincé. Tu vas où, là? C'est un effort, allez, allez. On en est débarrassé pour l'instant. Nathan est sûrement derrière. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Exactement ce que j'ai l'intention de faire. Non, Deep, Rico a dit de garder nos distances. Bon, je
crois qu'on a carrément dépassé la suite. Ah, je suis Evo, quoi. Wow. On a failli se noyer à cause de toi. Mais tu sais quoi? C'est... Travail en équipe. Écoute ce qu'on te dit. Mais j'écoute. Tu crois ça? Toute chance de revenir en vie. C'est n'importe quoi, franchement. Et ça, c'est ta faute. C'est carrément injuste. Je vais t'expliquer ce qui est carrément injuste, bonhomme. Je croyais qu'on serait des amis, mais les vrais amis, ça décide des choses ensemble. Si c'est à cause de ce qui s'est passé avec les ongles... Mora, tu sais, je... Non. Trop, c'est trop. Oh. Wow. Bonjour à vous, singulière créature. C'est celui-là, maintenant. Technologie coloniale. Je suis le commandant Darcy. Laissez-moi vous présenter scientifique le professeur Ralph. Salut. Ces talentueux techniciens sont la crème de la crème. Où ça, de la crème? Est-ce que vous êtes... Désolé, j'ai toujours la papate nerveuse quand j'imagine un plan machiavélique. Je voulais parler d'un coup fou. Savoir où est Nathan? Mais oui, bien... Mais non, nous ne connaissons...